Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des économies. Allez, c'est parti. Hiver, je vous avais parlé d'économie d'énergie, notamment le chauffage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une économie beaucoup plus importante et qui va sauver la planète. Alors, on va parler aujourd'hui de l'eau. Alors, trouvez-vous ça normal qu'on tire la chasse d'eau? Oui, c'est normal, puisque c'est hygiénique. Mais trouvez-vous ça normal qu'on nettoie notre merde avec de l'eau potable, de l'eau qu'on pourrait boire, utiliser pour cuisiner, et surtout donner à des gens qui n'ont pas d'eau. Alors moi aujourd'hui j'ai réfléchi un petit peu à ma façon de vivre, à la façon dont je pourrais améliorer le système. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai commencé à mettre en place chez moi. Je vis dans un appartement comme vous le savez. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Puisque l'eau, c'est quand même assez important. Et si on peut la réutiliser pour d'autres choses, c'est quand même mieux. Alors, et ici, vous avez un système d'écoulement qui va récupérer l'eau. Donc, je le mets en vision nocturne. Vous pouvez voir, c'est ce qu'on va récupérer l'eau. Et tout ça va me servir. Je vais l'utiliser pour faire ce qu'on appelle une chasse d'eau, tout simplement à l'aide de bouteilles. Donc je vais remplir les bouteilles vides, les bouteilles d'eau vides, je vais remplir ces bouteilles-là avec l'eau usée. Donc soit en ayant rempli la bassine avec donc la l'eau de la vaisselle, soit l'eau. Quand je vais prendre ma douche ou un petit bain, je vais fermer le siphon, je vais utiliser le seau pour remplir les bouteilles. Je me fais en général une limite de pas dépasser cette marque quand je fais une douche ou un bain. Ouvrir une bouteille d'eau et verser comme ceci. Alors là, c'est une petite bouteille, il n'y avait pas grand chose pour la vidéo. Donc, l'idée, c'est de récupérer le maximum d'eau pour, dans un premier temps, la réutiliser pour la chasse d'eau, puisque il faut quand même savoir que la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Et je trouve ça ridicule qu'on appuie sur un bouton pour tout simplement nettoyer votre merde avec de l'eau potable. Comme je disais tout à l'heure, c'est de l'eau qui peut vous servir à la boire, à cuisiner, à donner cette eau à des gens qui n'en boivent pas. Et plus important d'économiser l'eau, puisque bon, l'eau c'est quand même la source de la vie, le truc qui fait que nous sommes là. Et c'est ridicule. Ça peut être effectivement que il faut récupérer l'eau. Alors ça, il travaille, hein. Effectivement, il y a des bouteilles, les utiliser pour la chasse d'eau, ça peut être un système un peu spécial au premier abord. Fondamentalement, c'est quelque chose qui pour moi est important en fait. Bon, il ne faut pas le faire. Ensuite, effectivement, dans ce système-là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que, notamment, là j'ai enlevé pour faire la vaisselle. Si un jour j'oublie que j'ai dévissé en bas et que l'eau est monte, au bout d'un moment je vais avoir des soucis d'eau. Si un jour j'oublie de remplir les bouteilles à fur et à mesure, mais je pense que ça a un très bon début pour rapporter de nouvelles choses au fur et à mesure dans ma vie. Mais économiser l'eau fait partie
pour moi, c'est fondamental dans la survie. C'est pas, pour moi, c'est normal, c'est basique. L'économie, aujourd'hui, on a tellement de choses dont on n'a pas besoin. Et on jette tellement de choses dont on a besoin par la fenêtre. Et voilà, survivaliste, c'est pas forcément faire des scots. C'est aussi avoir une option de l'économie. Et sur plein de choses. Des choses, pour moi, c'est important. Le système que j'ai élaboré n'est pas grandiose. N'est vraiment pas quelque chose. Ben, voilà. Il y aurait des choses à améliorer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous trouvez le système. Enfin, déjà, comment vous le trouvez, puis s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Aussi, une chose, c'est moi, j'ai utilisé la baignoire. C'est beaucoup plus facile de remplir une baignoire quand on douche ou quand on se baigne. Pour les gens qui ont une simple douche, mettre un seau quand vous lavez, ça peut être une façon, ça va pas être pratique. Donc, à voir, à élaborer un système par vous-même. Moi, comme dit, je vous le montre parce que pour moi, ça, c'est une idée qui est venue depuis un petit moment. Et puis, je vous la montre parce que ça fait partie de la chaîne. Bah, moi, j'ai vraiment envie d'évoluer dans ce sens-là, dans ma vie, que ce soit l'économie d'électricité, d'être autonome et d'avoir aussi un certain mode de vie différent, complètement différent des gens, puisque en cas de crise, le confort ne sera plus là et il faudra, on ne pourra pas dire ouais, je fais ça demain. Il faudra vraiment faire les choses maintenant. Et je pense que si vraiment faire les choses avant peut déjà vous aider grandement à vous habituer comme ça. Je ne dis pas, je ne pas être femme pour la vision fin du monde, mais avec les choses qui se passent immédiatement, pas la fin du monde, mais. Il va y avoir des crises de plus en plus grandes, de plus en plus fortes, mais il faut vraiment s'y préparer parce que là, ça arrive. On y arrive tout doucement, mais on est dedans. Le mieux, c'est de s'y préparer au maximum. Donc, voilà. Le système d'économie, voilà, c'est pour moi, c'est important. Voilà. J'ai tout dit, je vous ai montré un peu la base du système. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, soyez survivalistes. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez-moi, enfin laissez des petits pouces, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si jamais on peut avoir une façon d'améliorer mon système, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez peut-être préparé chez vous à la maison, appartement, en ville ou en campagne, pour justement. Gérer les eaux usées. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.